Monsieur le député maire, pourquoi avoir souhaité implanter une librairie ici dans ce lieu de la Forge ? Vous savez que toute la restructuration du bourg a été fondée sur l'idée que nous devions avoir des locomotives culturelles pour nous singulariser et faire en sorte que notre convivialité, le fait que les gens viennent dans le bourg, s'articule autour d'animations culturelles. Ainsi, il y a eu la médiathèque, il y a eu l'espace Saint-Joseph, il y a eu la réhabilitation de la Forge. Aujourd'hui, la Forge connaît une nouvelle étape avec l'installation d'une librairie qui sera un élément incontestable de dynamisation de ce quartier. Vous l'avez visité, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je trouve ça formidable et de voir déjà en 2 ou 3 jours l'engouement que cela suscite me réjouit bien évidemment. Nous souhaitions vous demander comment la ville vous a aidé dans cette implantation de la librairie ? La première aide que la ville de Marc-en-Barœul m'a donnée dans l'implantation de cette librairie La Forge, c'est un soutien moral, donc avec une volonté très forte de la part des élus d'implanter cette librairie. Et en plus, ça fait un geste jusqu'en début d'année prochaine sur le loyer. Et ce qui est super, c'est de voir que les gens trouvent leur bonheur, à la fois en termes d'achat, mais aussi dans l'âme du lieu. Ils sont contents de venir, ils me disent tous que ça manquait, ils se promènent, ils regardent. Voilà, donc ça s'est super bien passé et on espère maintenant que ça va se maintenir.